Dans la formation, il faut essayer d'apporter des solutions aussi. Faites concentrer sur les solutions et pas que sur les problèmes. En fait, je me donne cette responsabilité-là, d'apporter une information qui fasse du bien à la santé mentale aussi et à la santé physique. Je me dis, qu'est-ce que moi je peux apporter aux générations futures aussi, parce que je suis aussi maman. Et c'est ça qui m'a motivée. J'ai décidé de lancer une web TV positive et inspirante qui pose la question du bien-être fondamental. Donc, et à part ça, ça va. À part tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez être, comment vous voulez paraître, comment vous allez vraiment. J'ai décidé de donner la parole aux personnes inspirantes, de mettre en avant la résilience, de faire du journalisme positif. Mon leitmotiv, c'est vraiment l'inspiration dans toutes les formes. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir, à travers ces sujets, provoquer un petit déclic, pas qui va changer la vie, mais qui peut contribuer à changer notre regard à ce moment-là. Et pourquoi pas contribuer à changer sa vie. Je me suis dit, mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres. Et je vais le faire via la vidéo. Parce que d'abord, ça marche bien, la vidéo, ça répond à la technologie actuelle et le web pour toucher un maximum de gens. C'est d'avoir des témoignages de gens qui me disent, mais écoutez, nous, on n'a plus de télé depuis des années parce que ça nous plombe le moral, parce qu'il n'y a que des informations positives. Et donc le fait que vous concentriez sur des choses qui marchent, qui fonctionnent, ou sur des gens qui gardent le sourire malgré leur part d'ombre, ça m'aide. Ça, c'est une grande satisfaction. Est-ce que j'arrive à faire partie des gens qui apportent une part de solution ? Ma ligne de conduite, c'est le sens. C'est vraiment, est-ce que je fais ça? Est-ce que ce que je fais au jour le jour, ça continue à avoir du sens pour moi, du sens pour les gens, du sens par rapport à ce que je peux apporter au monde de manière humble, je dis ça évidemment. Ça m'enrichit et j'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité, d'apporter ma pierre à l'édifice, parce que je pense que c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il y ait un impact à notre niveau pour la collectivité. Et donc, à ce niveau-là, on n'est jamais totalement satisfait, sinon on s'arrête. On a envie de se remettre en question tout le temps, on a besoin de se remettre en question. Et puis, j'évalue aussi l'interactivité que je peux avoir avec les gens. Parce que c'est ça qui me motive, c'est finalement être juste par rapport aux besoins, aux attentes des gens, pour que ça puisse vraiment être un déclic qui va contribuer à changer leur vie.